Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence ce soir pour cette deuxième édition de nos lundis de la faculté. Donc, nous avons consacré cette soirée à la thématique du catéchisme, le catéchisme une invention moderne. Donc, en donnant ce titre à cette soirée, je m'inspirais du livre de notre invité, du titre du livre de notre invité de ce soir, Joël Molinario, donc, qui est théologien. Il enseigne au Theologicum, donc à la faculté théologique de l'Institut catholique de Paris, où il sera prochainement directeur donc, de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique. Et si j'ai souhaité l'inviter, c'est parce que je travaillais le printemps dernier à une édition du catéchisme de Heidelberg, qui est paru depuis chez Labor et Fides, et je suis tombé par hasard sur son livre, qui a un titre tout à fait intéressant. Donc, le catéchisme, une invention moderne, mais un sous-titre encore plus intéressant, puisqu'il s'intitule, ou il se sous-titule, De Luther à Benoît XVI. Et il m'a semblé, en lisant ce livre, qu'au fond, il y avait un certain nombre de convergences, à la fois historiques et catéchétiques, dans nos deux travaux. Donc, il me semblait intéressant de pouvoir discuter ensemble ce soir. Alors, donc, Joël va vous présenter son travail pendant une demi-heure à peu près. Et puis moi, j'interviendrai ensuite en vous donnant quelques éléments sur mon travail, sur mon édition. Et puis ensuite, je lui poserai peut-être une ou deux questions pour un peu lancer le débat avant qu'on ouvre la discussion à la salle. Donc je lui cède la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. D'abord, je voudrais vous remercier, te remercier, remercier la faculté de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de venir jusqu'ici. Et donc, je voudrais, dans cette demi-heure, présenter d'abord qu'est-ce qui m'a amené à travailler ces questions du catéchisme, et notamment le catéchisme luthérien et réformé. Et puis, voir à la fois des confluences entre les réformés, les protestants et les catholiques, et en même temps quelques différences. Mais finalement, je n'irai pas beaucoup sur les différences parce qu'on en a beaucoup parlé. On s'est peu intéressé sur ce qu'il y avait de commun dans l'invention du catéchisme. Voilà. Donc, mon itinéraire de recherche, je ne suis pas d'abord un historien des catéchismes. Je suis un théologien de la catéchèse. Et je m'intéresse d'abord à la crise contemporaine de la transmission de la foi, notamment dans l'Église catholique, à partir du XXe siècle. Mais c'est paradoxalement à cause de cela que je me suis intéressé à la naissance d'un modèle de transmission de la foi qui marqua l'Europe pendant 4 siècles. Et qu'on peut nommer le modèle catéchisme. Donc je fis ce travail pendant 6 années, notamment à partir d'une crise qui a marqué l'Église catholique au XXe siècle, qui était la crise du catéchisme progressif. Alors c'est quoi cette histoire? En 57, le Saint-Office, qui est l'organisme dans l'Église catholique qui s'occupe de la doctrine à l'époque, avant le Concile Vatican II, demanda aux évêques français la démission de tous les responsables français de la catéchèse dans l'Église catholique. Donc ça fait une crise grave, des gens ont été blessés, et notamment un prêtre qui était un grand novateur de la catéchèse qui s'appelait Joseph Colomb. Et en fait, c'est en travaillant cette crise et son dossier, qui était l'objet de ma thèse, que je me suis aperçu qu'il y avait un objet de malentendu permanent qui était la question du catéchisme. Qu'est-ce que c'est qu'un catéchisme? À quoi ça sert? Quelle est sa validité? Etc. Donc, à l'époque, une grande dissension entre le magistère de l'Église catholique qui tenait le catéchisme comme une sorte de condensé de la doctrine de ce magistère suprême qui était tenu par le Saint-Office et le Pape. Et de l'autre côté, les novateurs de la catéchèse qui, eux, disaient, avec une expression souvent reprise, le catéchisme ne fait pas 100 mètres dans la rue.
pour dire que ça ne tient pas la route et qu'il faut changer les modèles. Alors, du coup, j'ai investi une recherche sur ce modèle catéchisme qui était né donc au XVIe siècle. Et il y a deux autres choses qui m'ont intrigué dans ma première investigation. C'est premièrement que la grande spécialiste des catéchismes catholiques était une historienne, Elisabeth Germain, et qu'elle avait fait sa thèse sur les catéchismes du XIXe siècle. Or, pour moi, les catéchismes du XIXe siècle, c'était vraiment les moins intéressants qui soient. Et je me suis demandé, mais pourquoi fait-elle sa thèse sur ces catéchismes-là ? Autre chose qui m'intrigua, le cardinal Ratzinger. Le cardinal Ratzinger, donc préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc voilà, l'instance suprême dans le magistère catholique dans les années 80-90, s'intéresse beaucoup à la question du catéchisme. Et quand il parle des catéchismes, il fait une grande impasse historique. C'est-à-dire qu'il parle du XVIe siècle, un peu du XVIIe, mais après, le XIXe et le début du XXe est complètement absent de son discours. Et notamment, ce cardinal Ratzinger ne parle jamais de Pie X, qui est dans la tradition catholique un peu le pape du catéchisme. Il avait écrit un petit catéchisme, il avait voulu le faire admettre dans toute l'Église comme le catéchisme pour tout le monde. Et en fait, je m'aperçus donc que c'est à la fois intérêt d'Elisabeth Germain pour le 19e et le début du 20e et le désintérêt du cardinal Ratzinger, en fait, avait la même raison. C'est-à-dire que il s'est passé un tournant essentiel dans la notion même de catéchisme dans le monde catholique, à partir de ce qu'on appelle la restauration au sens politique du terme. Et que, à partir de ce moment-là, 19e siècle, les catéchismes ont pris une tournure complètement différente et un rôle complètement différent dans l'Église, dans la société. Donc, il me fallait réinvestir l'histoire moderne, en commençant par le XVIe siècle, mais sans les a priori qui étaient ceux du XIXe siècle, qui faisaient une sorte d'écran pour voir le geste fondateur. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commençais par le XVIe siècle, et celui qui inventa le catéchisme, on peut le dire, avec son ami Melanchthon, c'est-à-dire Luther. Donc, j'ai appréhendé les catéchismes avec une triple approche. D'abord, une approche bien sûr théologique, une approche culturelle, et ensuite, on dirait paradigmatique ou pédagogique, c'est-à-dire quel est le modèle de transmission de la foi que Luther, les réformés, puis le Concile de Trente au XVIe siècle ont inventé. Donc, je vais un peu redire là quelques éléments structurants de ce qui me paraît être cette invention du XVIe siècle, qui est passé des protestants vers les catholiques, avec des transformations et des éléments communs fondamentaux. Donc, j'insisterai donc sur ce geste commun entre catholiques et protestants, parce qu'on a beaucoup étudié au point de vue théologique les différences théologiques, bien sûr, elles sont là, mais on s'est moins intéressé au geste commun. Ensuite, j'essaierai de montrer en quoi l'invention au XVIe siècle du catéchisme est une invention moderne, au sens historique du terme. Et enfin, je ferai quand même une petite place pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde catholique pour que le catéchisme comme invention moderne devienne l'expression de son contraire, c'est-à-dire un objet de résistance à la modernité. Donc, le catéchisme avait est né avec Luther, on peut le dire, grosso modo. Et après, Calvin, les réformés. Et après, le Concile de Trente et Charles Borromée, notamment. Donc Charles Borromée, c'est, dans l'Église catholique, celui qui était en charge de l'écriture du catéchisme, dit du catéchisme du Concile de Trente, qu'on appelle aussi catéchisme romain.
Donc Charles Borromée, Luther, deux grands personnages, et on a voté un modèle. Alors, tout repose sur un diagnostic que Luther fit dans les années 1520, hein, sans doute marqué par ses prédications de 1528 hein, qu'il fit en Allemagne, où il rencontra, toucha du doigt l'ignorance dans la foi de ses congénères. Alors, le diagnostic de Luther est particulièrement lucide. Il dit « les Allemands sont chrétiens, ils profitent de ce qu'offre l'Église, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont comme des pourceaux, vous connaissez le langage châtié parfois de Luther, ils sont comme des pourceaux qui ne savent pas ce qu'ils font. » Donc la tâche des pasteurs est alors de leur donner des éléments d'une intelligence de la foi. Mais pas une intelligence seulement théorique, il fallait que le croyant puisse répondre de sa foi. Il ne s'agissait cependant pas d'un subjectivisme au sens moderne, hein, où l'individu construirait son savoir théologique, comme on peut le penser aujourd'hui, hein, chez Luther, chez Calvin, dans le catéchisme d'Adelberg, dans les catéchismes catholiques. Les églises donnent le langage, mais pour aider le croyant à pouvoir répondre de la foi avec laquelle il vit. Alors, on voit des insistances, mais il est marquant que dans le catéchisme de Luther, il y a une place, comme dit Pierre-Olivier dans son introduction du catéchisme d'Heidelberg, une place pour le pronom singulier de première, deuxième personne, « mon sauveur », notamment. Et on voit bien que ça n'empêche pas que cette insistance sur le sujet qui doit répondre parce que Dieu l'a créé, il t'a créé toi, donc il faut que tu répondes de ta foi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un « mon » que le langage est pour autant libre. C'est pour ça que le « mon sauveur » rejoint le « nous croyons » de Calvin et du catéchisme du Concile de Trente. Mais Dieu t'a créé toi, dit Luther, il faut que tu répondes de cette création par les mots d'intelligence de la foi. Donc l'initiation chrétienne en fut bouleversée. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge était une période où on pensait qu'on grandissait par imprégnation. Donc ce qui faisait qu'on était chrétien, c'est l'appartenance à la famille, au village, à la paroisse. Donc c'était un christianisme d'appartenance et en même temps d'imprégnation. Voilà, c'est le bain qui faisait qu'on était chrétien. Il y a un phénomène tout à fait remarquable que soulignait votre collègue Nicole Lemaître, hein, c'est que il n'y a plus d'institution catéchétique dans l'Église entre le VIe siècle de notre ère et 1529, l'invention du catéchisme par Luther. Donc, voilà, il y avait le catéchuménat des pères de l'Église, saint Augustin, saint Ambroise et compagnie. Hein. Ça s'arrête au VIe siècle. Et après, on pense que l'éducation dans la foi se fait par imprégnation. Donc, ce qui marque le Moyen-Âge, c'est une prédominance de l'aspect communautaire et la foi d'appartenance. Donc, ce geste de Luther a bouleversé l'initiation chrétienne. Donc il ne suffisait plus d'appartenir à la société germanique ou française pour être chrétien, catholique et protestant. Donc l'imprégnation médiévale que la société chrétienne forgeait ne fournissait plus à elle seule ce qui faisait devenir chrétien. Voilà la grande intuition. Donc c'est en ça que le christianisme de la modernité naissante se développait en sollicitant le savoir de la foi et un sujet répondant de ce savoir.
sur ce point, Luther et le catéchisme romain, donc catéchisme romain qui va être publié en 1566, invitaient aussi à une adaptation pédagogique. Donc Luther proposait deux catéchismes, un petit et un grand catéchisme. Dans l'introduction du catéchisme romain de 1566 par Charles Borromée, Charles Borromée dit, mais surtout n'allez pas croire, il dit ça au curé, hein, qu'il n'y a qu'une seule méthode pour enseigner ce catéchisme. Parce qu'il faut que le catéchisme s'adapte à chaque personne. Donc il y a des gens qui sont des enfants dans la foi, d'autres qui sont des adolescents dans la foi, et d'autres encore des adultes. Donc vous ne pouvez pas faire la même méthode pour tout le monde. Et Luther avait bien conscience de ça aussi, en proposant plusieurs catéchismes. Et donc, le catéchisme romain, comme d'ailleurs le catéchisme de Luther et de Calvin, proposait une définition de la foi, en quelque sorte, qui est à la fois double, c'est-à-dire fides qua creditur, fides quae creditur, c'est-à-dire à la fois une vérité que l'on propose à croire, et à la fois la confiance qui est la démarche de la foi. Et donc, sur ce plan-là aussi, et dans l'introduction du catéchisme d'Adelberg, on voit bien que la foi confiance et la foi comme objet sont toutes les deux présentes dès l'introduction du catéchisme d'Adelberg. Alors, en cela, déjà, on peut dire que les inventeurs du catéchisme sont des hommes de la Renaissance. Ils ont réintroduit, dans l'esprit de leurs contemporains, l'idée que, pour grandir, le sujet doit être éduqué. Alors, ceci, je dirais, malgré les polémiques de Luther avec Erasme, par exemple, sur le fameux libre-arbitre, ou le self-arbitre, il n'empêche que Erasme, comme Luther, pense qu'il faut éduquer les gens. Erasme écrit deux traités d'éducation, il écrit même un petit catéchisme. Et donc, dans les deux cas, l'éducation est un point fondamental pour le devenir sujet. Et deuxièmement, la pédagogie, pour eux, c'est pas tellement d'abord une méthode, si, c'est aussi une méthode, mais c'est d'abord un centre d'intérêt pour la personne concrète. C'est ça que le mot pédagogie réintroduit au XVIe siècle par Rabelais, par Erasme, par Vivès, Budet, tous les grands réformateurs. C'est l'idée que, contrairement à la Sorbonne, qui ne s'occupe que d'un être complètement abstrait, les humanistes, eux, s'intéressent à l'homme concret. Alors l'homme concret, c'est l'homme qui est petit, qui grandit, qui se marie, qui souffre, qui meurt, qui, voilà, un homme qui a une destinée, qui a une existence. Et donc, pour eux, évidemment, la foi doit toucher cette existence concrète des individus. Alors, un autre point commun entre les catéchismes réformés et le catéchisme du Concile de Trente, c'est que, autant pour Luther que Calvin, et que pour le catéchisme catholique, le catéchisme n'est pas le tout de la transmission de la foi. Il est très clair pour Luther et pour Charles Borromée que le catéchisme, c'est un élément d'un ensemble. Et cet ensemble, d'abord, c'est la pratique et le vécu de la foi. Donc le catéchisme suppose une vie de foi qui est celle donnée par la famille, qui est celle donnée par la vie paroissiale, qui est celle donnée par la prière, etc. Donc le catéchisme n'est pas un élément seul de la transmission. Il est l'élément structurant d'une expérience de la foi.
que les hommes et les femmes partagent. Mais c'est là le génie du diagnostic de Luther, c'est dire, ben voilà, les gens, ils expérimentent la foi, mais ils n'ont pas les mots ni l'intelligence pour rendre compte de cette expérience de la foi qu'ils ont. Et donc, il y a une conviction éducatrice, c'est qu'il faut aider les gens à pouvoir répondre de cette foi qui les fait vivre. Alors, et donc en cela, les réformés, les protestants et les catholiques au VIe siècle ont fait une invention culturelle majeure. Et ce sera tellement, à tel point une expérience culturelle importante qu'une expression qu'on trouvera au XVIe ou XVIIe siècle, même au XVIIIe siècle, dans le langage courant, on demandera « As-tu fait ton catéchisme ?» Et « As-tu fait ton catéchisme ?» ça voulait dire « Est-ce que tu as été à l'école ?» Donc on reviendra sur cette question-là, mais... Alors, autre chose commune entre la Réforme et l'Église catholique sur les catéchismes, c'est le souci d'éducation. Mais là où à la fois Luther et le Concile de Trente vont dépasser l'intuition des humanistes, c'est que pour Erasme, Rabelais et compagnie, ils n'imaginaient pas, ces humanistes, que l'éducation pouvait être pour d'autres personnes que les fils des princes et des grands bourgeois. Jamais Erasme n'imaginait qu'il pouvait y avoir une éducation pour tous. Or, le présupposé, mais qui est à peine discuté chez Luther et pour le Concile de Trente, ou pour Calvin, c'est que cette éducation de l'intelligence de la foi, elle devait être pour tous. Alors pour Luther, la médiation première, c'était le père de famille, qui devait être responsable chez lui que tout le monde connaisse le catéchisme, mais tout le monde, y compris les jardiniers ou les serviteurs de la maison. Pour le catéchisme du Concile de Trente, ça va être la même chose. On va instituer, 24e session du Concile de Trente, donc en 1563, instituer la responsabilité au curé, dans un territoire paroissial, d'avoir cette responsabilité de l'éducation de la foi. Donc il devra vérifier que tous les enfants d'un secteur donné aient accès à une éducation de la foi. Donc ça c'est... Et il va... Je reviendrai plus tard, mais autre chose aussi qui est quand même importante, c'est que on voit une éducation, une responsabilité catéchétique de l'Église apparaître. Donc je disais que le Moyen-Âge, c'était un temps de conception de l'éducation comme imprégnation. On appartient à une famille, à une communauté, donc on est éduqué par ce fait-là. Et donc, la transmission appartient d'abord à la famille. Alors, voilà, ce qui va changer avec le XVIe siècle, c'est la responsabilité catéchétique de l'Église. Et on voit bien la différence très, très forte. Au fin du XIVe siècle, un personnage dans l'Église catholique, qui était un grand personnage, chancelier de l'université, c'était le ministre de l'éducation de l'époque, qui s'appelait Jean Gerson, avait eu l'idée, dans la fin de sa vie, d'écrire des manuels pour les enfants et les gens simples, pour leur apprendre les rudiments de la foi chrétienne. Et il a été pris pour un sénile. Il dit, monsieur, il est dans la fin de ses jours, il délire. Bon, voilà. Donc le fait que un monsieur âgé s'occupe d'écrire des traités d'éducation pour les enfants, c'était complètement hors culturel. Donc voilà, là aussi le point commun, c'est la conviction que l'Église a une responsabilité dans la transmission.
Je vais aller peut-être un peu vite. Ce qui va marquer, alors là du côté plus catholique, c'est que avec les paroisses qui vont être créées à partir du Concile de Trente, quoi, ou recréées, ou refaçonnées, eh bien, on va créer des petites écoles paroissiales et qui vont être les ancêtres des écoles communales. C'est-à-dire des lieux où, pour tout le monde, on va apprendre le catéchisme, en même temps qu'on va apprendre le catéchisme, on va apprendre à lire, on va apprendre à compter, et on va apprendre les rudiments de la morale ou des bonnes manières, selon les endroits où on est. Donc, ça c'est... Et vous voyez comment les églises ont su... non seulement accompagner, mais forger cette modernité naissante au XVIe siècle, en inventant des institutions faire grandir le sujet dans l'intelligence de sa foi. Il y a un autre point commun, sans doute, qu'il faudrait tailler plus théologiquement, le croisement théologique, on va dire, entre Luther, notamment, Calvin aussi, et le Concile de Trente. Alors, un point commun, sans doute, Saint-Augustin, et autrement, le catéchuménat antique. Les quatre chapitres du catéchisme de Luther sont les mêmes que les quatre chapitres du catéchisme du Concile de Trente. Ce n'est pas dans le même ordre, parce que Luther préfère commencer par la loi pour montrer que, comme l'homme n'arrive pas à suivre les commandements, il a besoin de la foi en deuxième, alors que le catéchisme catholique commence par la foi, comme Luther, comme Calvin d'ailleurs. Mais on voit bien que les éléments, donc les quatre chapitres, je le rappelle, c'est-à-dire la foi, le Notre Père, les sacrements et les commandements, et la morale, en fait... sont quatre éléments structurants du catéchuménat de l'Antiquité. Et donc, sans doute que le point d'intersection, il est là aussi. Alors, à tel point que le cardinal Ratzinger, dont on parlait tout à l'heure, quand il va parler des catéchismes, notamment de la réécriture d'un catéchisme dans l'Église catholique en 1992, il va dire, parce que le catéchisme de 92 reprend ce plan-là, il va dire « la preuve que le catéchisme est traditionnel » Dixit, cardinal Ratzinger, c'est que Luther a le même plan que nous. Ou plutôt que nous avons le même plan que Luther. Voyez, donc le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, catholique, on peut dire, hein, son argument, c'est Luther. Et la preuve que c'est traditionnel, puisque Luther a pris le... Voyez. Et c'est pas un accident, hein. Il va le répéter dans plusieurs conférences, cet argument. Pour dire, voilà, la tradition longue dans laquelle s'insère le catéchisme. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui fait qu'une invention que j'ai qualifiée de moderne va basculer et devenir dans l'Église catholique son contraire, c'est-à-dire un instrument de résistance à la modernité. Alors, le tournant, c'est vraiment la période de la Restauration, au sens politique du terme, hein, où à partir de 1814, les catéchismes vont devenir des outils de résistance aux idées des Lumières, aux idées de la Révolution française. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va jusque-là? C'est qu'il y a trois polémiques qui vont façonner l'écriture des catéchismes catholiques. La première, la polémique, évidemment, c'est celle envers les réformés. Donc, envers les réformés, on va accentuer du côté catholique des catéchismes où on va remettre une couche sur la hiérarchie de l'Église, en disant que le pape est le vicaire du Christ et que tout le reste est descendant par rapport à l'autorité de l'Église. Et deuxième aspect, de polémique par rapport à la réforme, l'absence de l'écriture. L'absence de l'écriture. Donc, catéchisme du Concile de Trente, il y a 1300 citations bibliques. Le catéchisme du diocèse de Paris, à la fin du XVIIe, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Donc, on voit comment... Alors, Bossuet, lui encore, est un catéchisme biblique, hein, à peu près à la même époque. Hein, mais on voit comment, en fait, cette deuxième veine polémique va emporter
et ces modèles vont être pérennisés. Ensuite, il y a une deuxième polémique qui va façonner les catéchismes catholiques, c'est la polémique avec les jansénistes de Port-Royal. Et donc, contre les jansénistes, eh bien, toute grâce va être suspecte. Déjà, la grâce a fait un peu protestant, donc en plus, il y avait les jansénistes. Donc, on a des catéchismes façonnés par ce que Elisabeth Germain appelle les trois « il faut ». Il faut croire, il faut recevoir les sacrements, il faut observer les commandements. Hein, il faut, il faut, il faut. Et donc la troisième polémique, je l'ai citée en introduction il y a un instant, c'est-à-dire la polémique envers les idées des Lumières, hein, envers les philosophes, les Rousseau, les Kant et compagnie, et envers la Révolution française. Hein. Et comme les Lumières disent que la religion, c'est pas rationnel, donc on va faire des catéchismes hyper rationnels. Où plus ça sera abstrait, plus ça sera vrai. Et donc, je termine là-dessus. Vous comprenez pourquoi à la fois Elisabeth Germain a fait sa thèse sur les catéchismes du XIXe siècle, parce qu'elle a repéré qu'il y avait un tournant épistémologique et théologique très important à ce moment-là, et pourquoi le cardinal Ratzinger détournait de cette époque, parce qu'il voulait... et surtout pas être pris pour celui qui voulait restaurer les catéchismes du XVIIe siècle. Et donc, son modèle, c'était bien sûr à la fois le Charles Borromée et Luther. Voilà. Je m'arrête là-dessus et on pourra discuter d'autres choses après. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama très, très intéressant et surtout très, disons, très stimulant. Alors, de mon côté, je vais vous présenter au fond un petit peu quelle a été ma démarche dans ce travail d'édition du catéchisme de Heidelberg. Enfin, je ne vais pas vous dire comment j'ai fait les notes et ces choses-là, mais plutôt ce qui m'a motivé et les découvertes, au fond, que j'ai faites. Je suis en fait, comme vous le savez, un historien, mais au fond, mon travail pour cette édition a surtout été mû d'abord par un questionnement de nature théologique par rapport aux grands textes de la Réforme, et en particulier par rapport aux textes, si vous voulez, qui ont acquis à un moment donné une valeur normative, à savoir les confessions de foi ou certains catéchismes. Et mon questionnement venait du fait que j'ai constaté à partir de 2012 une recrudescence, en particulier en Allemagne, de commémoration autour de ce catéchisme de Heidelberg qui représentait pour moi un peu comme des préparations aux commémorations qui auront lieu en 2017. Et j'étais très frappé de voir à quel point en Allemagne on a utilisé ce catéchisme de Heidelberg dans une perspective identitaire. Au fond, la célébration de ce catéchisme, sa réédition, tout le travail qu'on a fait en recherche historique autour de ce catéchisme servait surtout, me semblait-il, une démarche identitaire pour dire, ben voilà, un grand texte de la Réforme dont on fête le 450e en 2013, c'est l'occasion de se retrouver autour de ce texte, d'affirmer son caractère fondateur. Et disons, cette démarche-là me posait en définitive problème parce que j'avais appris, et en particulier à la lecture de toute la théologie du 19e et du 20e siècle, en particulier d'inspiration libérale, que au fond, les théologies étaient toujours des théologies contextuelles. On n'écrit pas, disons, une théologie au XVIe siècle avec les mêmes bases que au XXe siècle. Et en définitive, ma question, elle était assez simple, assez naïve, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, de ces textes, et en particulier de ces textes normatifs, dans un protestantisme où, depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, est proclamée la liberté d'examen. Au fond, la liberté de chacune et de chacun de lire le texte biblique et d'y trouver la théologie qu'il veut bien y trouver à la lumière, disons, de sa conscience et de sa raison. Donc, au fond, quel rôle pouvaient jouer ou peuvent encore jouer des textes comme le catéchisme de Heidelberg aujourd'hui? Et je me suis dit qu'en définitive, et là je crois avoir été un peu influencé par la lecture de Paul Ricoeur, je me suis dit que la meilleure façon de comprendre un texte et de savoir ce qu'il peut nous dire, c'était précisément de passer par la distanciation critique et historique. Hein, vous savez, Ricoeur a écrit plusieurs essais sur, disons, sur le,
l'appropriation des textes, et un de ces textes parle en particulier de la distanciation critique comme condition de la compréhension et de l'appropriation. Et donc c'est à ce travail que je me suis livré, avec aussi le souci non pas seulement de comprendre ce texte qu'était le catéchisme de Heidelberg dans son contexte historique, mais aussi de voir comment on l'avait compris au fil des siècles. Alors je me propose de vous donner quelques éléments sur le contexte de ce catéchisme, parce qu'au fond il est assez peu connu dans nos milieux francophones, quoique vous verrez il l'a été jusqu'à il y a très peu de temps. Dans un deuxième temps, j'essayerai de voir quel est au fond son contenu, sa théologie et ce qu'il essaye aussi de mettre en route. Puis, dans un troisième temps, je vous parlerai un tout petit peu de l'impact qu'il a eu pour essayer de vous donner quelques éléments de réponse par rapport à la question qui était la mienne. Donc, le catéchisme de Heidelberg est publié au début de 1563 dans le Palatinat, donc c'est la région qui en Allemagne se trouve autour de Heidelberg et qui est un des hauts lieux, disons, politiques d'Allemagne, puisque le prince du Palatinat est un des électeurs de l'empereur. Donc c'est un lieu politique extrêmement important qui passe dans les années 1550 à la réforme, mais à la réforme luthérienne. Or, en 1561, le prince du Palatinat, l'électeur palatin, comme on l'appelle, Frédéric III, considère que la doctrine luthérienne de la Seine n'est pas satisfaisante, qu'elle est encore trop papiste, et donc il adhère à la confession calviniste. Et à partir de là, il fait au fond ce que Calvin a fait en 1542, enfin c'est pas lui qui le fait puisqu'il convoque des théologiens pour le faire, il veut qu'on l'on rédige des ordonnances pour structurer l'Église, pour structurer l'enseignement, mais aussi que l'on rédige une nouvelle liturgie d'inspiration calviniste et surtout un catéchisme. Et ce catéchisme, il va en confier la rédaction à une commission de théologiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore bien difficile de mettre un nom d'auteur au-dessus de ce catéchisme, quoique l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'auteur principal était un certain Ursinus, hein, c'est la version latinisée du nom de famille allemand Ber, et Ursinus est un des grands théologiens allemands de cette seconde moitié du XVIe siècle, qui a été largement oublié aujourd'hui, mais qui mérite, je crois, d'être réinterprété et relu surtout, puisqu'il a été à la fois l'élève de Mélenchon et de Calvin. Au fond, c'est quelqu'un qui commence dans un terreau ecclésial luthérien et qui passe ensuite, dans un deuxième temps, au luthéranisme. Et c'est très important de souligner ça parce que, en définitive, ce parcours qui est le sien, il transparaît dans le catéchisme de Heidelberg. Et c'est un des grands acquis de la recherche historique de ces dernières années, d'avoir montré que ce texte, dont on a longtemps fait une confession de foi purement calviniste, voire anti-luthérienne, que ce texte, en fait, était, en définitive, extrêmement écuménique, du moins à l'intérieur du protestantisme. Et ce, sur plusieurs points. C'est vrai qu'il est relativement critique à certains égards de la doctrine luthérienne, en particulier sur la fameuse question de l'ubiquité, hein, est-ce que la nature humaine du Christ est, comme sa nature divine, présente partout? Et à ce niveau-là, il est relativement critique. Mais sur un certain nombre d'autres points, sur le plan purement doctrinal, il montre une certaine ouverture à la théologie luthérienne et se garde bien de la critiquer. Par exemple, sur la doctrine de la double prédestination, le catéchisme ne parle pas de cette question, sans doute parce qu'on est dans un contexte qui est celui d'un contexte catéchétique, mais aussi parce que ce texte, et c'est la volonté du prince électeur, doit aussi servir de confession de foi de l'Église palatine vis-à-vis de l'extérieur. Et on sait que le prince électeur du Palatinat, tout en adhérant à la foi calviniste, ne voulait pas que vis-à-vis des autres princes luthériens, on puisse lui reprocher de s'éloigner de la confession d'Augsbourg. Ceci pour des raisons politiques. En 1555, vous le savez, c'est la paix d'Augsbourg, et lors de cette paix d'Augsbourg, on reconnaît l'existence des luthériens en Allemagne, mais pas des calvinistes. Donc à partir du moment où Frédéric III passe à la réforme calviniste, en quelque sorte, il est dans l'illégalité, si je puis dire, et ses sujets, eux aussi. Donc il faut
qu'il puisse défendre la compatibilité de sa confession de foi, de la confession de foi de ses États, avec la confession d'Augsbourg. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, puisque quelques années plus tard, on lui dit « mais tu es passé au calviniste, arrête ton char ». Il va dire « ben non, regardez le catéchisme que j'ai fait préparer, ce catéchisme, au contraire, est tout à fait luthérien ». Donc il y a une forme de démarche écuménique, entre guillemets, avant la lettre, hein, prenons des précautions quand on dit ça, à l'intérieur du protestantisme, bien sûr. Alors, c'est pas le cas vis-à-vis du catholicisme. Là, j'en dis deux mots parce que c'est pas ce qui nous intéresse prioritairement ce soir, mais le catéchisme est rédigé au même moment que le Concile de Trente statue sur la question du sacrifice eucharistique. Et le prince électeur du Palatinat constate cela parce qu'il lit ce qui est en train de se faire à Trente et il demande spécifiquement qu'une question soit rajoutée à propos du problème du sacrifice eucharistique, et il demande à ce qu'on y aille, disons, de manière relativement forte, ce qui fait que ce catéchisme contient une question, la question 80, qui est assez peu amène vis-à-vis de la question du sacrifice de la messe. Cela étant, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Joël tout à l'heure, le catéchisme de Heidelberg participe d'un même mouvement, disons, qui est celui de Luther et de Calvin, sur lesquels je reviens pas maintenant, et qui est précisément cette volonté d'appropriation et disons de dévoilement du savoir et de la connaissance de la foi. Cela dit, et c'est peut-être un des éléments qu'il faudra discuter tout à l'heure, je crois que ce qui est très intéressant aussi dans le catéchisme de Heidelberg, c'est une dimension existentielle extrêmement forte qui lui vient en définitive de Luther. On a parlé justement de l'usage du « je », hein, que fait Luther dans son catéchisme. Le catéchisme de Luther, comme celui de Calvin, comme celui de Heidelberg, fonctionne sur la logique de la question-réponse. Hein, au fond, il y a un maître ou un pasteur, en l'occurrence, qui interroge le catéchumène et qui lui dit que dis-tu de la Trinité ? Et ce qui est très frappant, c'est que, à la différence du catéchisme de Calvin, par exemple, Luther et le catéchisme de Heidelberg utilisent le « je ». Alors que Calvin, lui, parle surtout en nous, parce qu'il donne à son catéchisme une dimension de confession de foi ecclésiale, où il faut, au fond, confesser une foi ecclésiale. Or, le catéchisme de Heidelberg utilise régulièrement du « je », avec, je crois, un souci existentiel très prononcé, qui lui vient précisément de la définition de la foi que donne Ursinus dans ce catéchisme. Je vous lis cette définition de la foi telle qu'elle se trouve dans le catéchisme de Heidelberg. Une vraie foi n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, mais c'est aussi une confiance, hein, on retrouve cette notion-là, une confiance pleine et entière que le Saint-Esprit produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi, que Dieu a offert la rémission des péchés, la justice et le salut éternel par pure grâce, par le seul mérite du Christ. Et on retrouve ce souci, disons, permanent de l'appropriation à la fois dans les modes de questionnement qu'adopte le catéchisme. Et en ce sens-là, il est aussi très différent de celui de Calvin, parce que très régulièrement, la question du pasteur est une question du type « en quoi cela te concerne ? Qu'est-ce que tu dis de cela ? Comment comprends-tu cela ?» Et le mode de la réponse, qui est quand même censé être appris par cœur, hein, je veux dire, il faut le dire, c'est toujours un mode d'appropriation existentielle. Par exemple, sur la création, le catéchumène doit répondre « Je crois que le Dieu créateur est aussi mon Dieu et mon Père pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie, de sorte que je ne doute pas qu'il prenne soin de tout ce qui m'est nécessaire pour le corps et pour l'âme, et aussi qu'il tourne à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes, car il peut le faire comme Dieu Tout-Puissant, et il veut le faire comme Père fidèle. » Donc bien sûr, on est dans un texte,
disons, qui garde une connotation relativement doctrinale, très forte, mais je crois qu'il faut réaliser à quel point, pour l'époque, et surtout par rapport au catéchisme de Calvin, on est dans une dimension ici de type existentiel, avec ce souci perpétuel de l'appropriation croyante et de la compréhension individuelle. Je vous lis encore cette question qui est la plus célèbre de ce catéchisme, qui est la première question. Quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort? C'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui par son sang précieux a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Alors bien sûr, on est dans un contexte théologique qui réaffirme la doctrine, disons, de la satisfaction du Christ, qui paye pour les péchés des autres. Mais je crois encore, ce qui est significatif ici, c'est cette dimension profondément existentielle qui se décline sur le mode de l'appropriation. Et c'est un des éléments qui va jouer jusqu'à très récemment, au fond, dans l'impact de cette œuvre. Alors c'est vrai qu'à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, ce catéchisme va de plus en plus devenir, au fond, une confession de foi normative. Et ça va être le cas en Allemagne, où très vite, il est demandé aux pasteurs de signer des textes à la fin desquels ils disent « je crois tout ce qui est contenu dans le catéchisme de Heidelberg ». Et c'est en particulier le cas aussi en Suisse, où le catéchisme de Heidelberg va devenir, au cours du XVIIe siècle, le catéchisme de référence. C'est-à-dire que dans les églises de Suisse, y compris francophones, le catéchisme de Heidelberg va remplacer le catéchisme de Calvin, sauf à Genève. Mais dans toutes les régions calvinistes de Suisse, c'est celui qui s'impose, et il s'impose non seulement dans l'enseignement catéchétique, mais il va aussi s'imposer du point de vue de la normativité confessionnelle, et en particulier à partir du moment où les protestants français vont débarquer en Suisse à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. On se méfie pas mal en Suisse des étrangers, déjà à cette époque-là, et on s'en méfie en particulier dans ce cadre-là, parce que, au fond, les protestants français ont développé, je vous raconte pas toute l'histoire, une théologie quelque peu plus libérale, avec plein de guillemets, que celle qui s'enseigne en Suisse. Et donc, une des choses qu'on demande aux protestants français qui débarquent en Suisse, c'est d'admettre dans une confession officielle qu'ils doivent signer, qu'ils adhèrent mot pour mot au contenu du catéchisme de Heidelberg et qu'ils le connaissent. Vous voyez par rapport au texte que je vous ai dit, ce que je vous ai lu, ce que ça peut impliquer. Et c'est ce qui fait qu'au fond, le catéchisme, et cette fois je parle plutôt de manière générale, va aussi bien en France qu'en Suisse devenir l'objet de nombreuses critiques. D'abord parce que, bien sûr, le temps avançant, on se rend compte que théologiquement, il ne tient plus forcément la route par rapport aux questions qui se pose à la théologie de cette époque-là, et vous avez des théologiens comme Osterwald en Suisse, par exemple, qui vont réécrire un catéchisme avec une accentuation beaucoup plus forte sur la morale, sur la vie concrète et pratique des fidèles. Mais il va aussi être critiqué, et c'est très intéressant, par un certain nombre de penseurs protestants inspirés par les Lumières, qui ne critiquent pas non seulement le contenu, mais aussi la méthode, en définitive, de ce catéchisme, et qui considèrent que si véritablement on veut que la démarche catéchétique aboutisse à une appropriation du contenu de la foi, il faut procéder autrement. Et c'est en particulier une des critiques, je ne résiste pas à vous en lire un bout, que va développer Rousseau, puisque dans l'Émile, Rousseau insiste beaucoup sur la question de l'enseignement de la religion. Et il a des propos quelque peu, violents à l'égard des catéchètes, et il parle en tant qu'ancien catéchumène protestant qui a été vraisemblablement enseigné avec le catéchisme d'Osterwald. Il écrit ceci: « Si j'avais à peindre la stupidité fâcheuse, je peindrais un pédant enseignant le catéchisme aux enfants. »
Si je voulais rendre un enfant fou, je l'obligerais d'expliquer ce qu'il dit en disant son catéchisme. Si pour l'obtenir, le salut, il parle du salut, il suffit de répéter de certaines paroles, je ne vois pas ce qui nous empêche de peupler le ciel de sansonnets et de pies, tout aussi bien que d'enfants. Vous voyez que la critique porte en particulier sur l'idée qu'au fond le catéchisme, ou plutôt sur ce qu'est devenu le catéchisme, à savoir la répétition apprise par cœur de réponses à des questions de doctrine. Et Rousseau va proposer un autre modèle qu'il va mettre en pratique en particulier dans la profession de foi du vicaire savoyard, et il écrit ceci. Quand vous leur expliquez les articles de foi, que ce soit en forme d'instruction directe et non pas par demande et par réponse. Donc c'est cette idée de la question-réponse hein, qui pose problème selon lui. Elles ne doivent jamais répondre que... Donc là il parle de l'enseignement fait aux filles, parce que Rousseau, vous savez, qui n'est pas très féministe, distingue un enseignement du catéchisme pour les filles, un enseignement pour les garçons. Mais là ça vaut de manière générale. Elles ne doivent, donc les jeunes filles, jamais répondre que ce qu'elles pensent et non ce qu'on leur a dicté. Toutes les réponses du catéchisme sont à contresens. En effet, c'est l'écolier qui instruit le maître. Puis effectivement, quand on lit ces catéchismes, c'est qu'est-ce que la Trinité ? Et puis c'est l'élève, ou le catéchumène qui doit répondre. Elles sont même des mensonges dans la bouche des enfants, puisqu'ils expliquent ce qu'ils n'entendent point et qu'ils affirment ce qu'ils sont hors d'état de croire. Parmi les hommes les plus intelligents, qu'on me montre ceux qui ne mentent pas en disant leur catéchisme. Donc au fond, cette vision du catéchisme qui est celle de la réforme, au XVIIIe siècle, elle est en crise. Et donc, ça va bien sûr conduire à des réflexions sur ce que l'on peut faire du catéchisme et comment on peut l'enseigner au sein des églises de la réforme, que ce soit en Suisse ou en France. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand on regarde les catéchismes du XIXe siècle, eh bien, ils continuent de perpétuer l'enseignement sous forme de questions-réponses. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, c'est un peu ce que tu disais aussi à propos du catéchisme romain, il y a une espèce de sclérose qui se réalise dans le catéchisme, que l'on prenne tous les camps théologiques possibles. Que vous soyez orthodoxe, évangélique, du réveil ou libéral, c'est toujours cette forme en question-réponse qui va s'imposer. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en particulier dans les milieux du réveil en France, il va y avoir un regain d'intérêt au XIXe siècle pour le catéchisme de Heidelberg. C'est-à-dire que ce catéchisme, on le découvre en France, jusqu'au XIXe siècle on le connaît peu, c'est surtout l'affaire des Suisses, et on va le réintroduire dans la pratique catéchétique au XIXe siècle. Et on a des éditions jusque dans les années 20 qui sont pas des éditions érudites d'historiens hein, comme celles que j'ai faites, mais qui sont vraiment destinées aux écoles du dimanche. Et vous avez plein de gens, en particulier dans les milieux revivalistes, qui rédigent des introductions à ce catéchisme pour qu'on les utilise. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que aussi en Suisse, le catéchisme de Heidelberg continue d'être utilisé dans l'enseignement catéchétique jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et vous avez même, au XXe siècle, un théologien neuchâtelois qui s'appelle Jean-Jacques von Almen, qui est bien connu pour son travail liturgique et œcuménique, qui, en 1944, propose une nouvelle traduction en disant « Eh ben moi, je suis d'avis qu'il faut réintroduire le catéchisme de Heidelberg dans l'enseignement catéchétique. » Et c'est ce que je fais moi-même, d'ailleurs, dans ma paroisse. Alors, ce théologien, il va devenir professeur de théologie pratique à la faculté de théologie de Neuchâtel. Bon, il va un peu évoluer parce qu'il se rend bien compte que c'est quand même extrêmement difficile. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'en 1960, il rédige un catéchisme pour les enfants du canton de Neuchâtel et qu'il appelle ce catéchisme « Appartenir à Jésus-Christ ». Or, l'appartenance à Jésus-Christ, c'est une des thématiques phares du catéchisme de Heidelberg. Je vous l'ai dit, quelle est la première question, quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort? C'est que de corps et d'âme, dans la vie et dans la mort, j'appartiens à Jésus-Christ. Et si on lit ce catéchisme de von Almen, on voit qu'en définitive, ça l'a beaucoup marqué, à la fois sur le plan théologique, mais aussi sur le plan de ses méthodes catéchétiques, ce qui doit, je crois, nous questionner aussi sur les modes de catéchisme qu'on a utilisés jusqu'au XXe siècle, puisque ce catéchisme appartenir à Jésus-Christ, il a été en usage en Suisse jusque dans les années 90, hein, dans certaines paroisses.
Ce que j'aimerais dire en plus, et pour terminer, disons, ce panorama, c'est que malgré, disons, cet impact à la fois doctrinal et méthodologique, le catéchisme a aussi joué un autre rôle dans l'histoire. Et c'est, je crois, à ce niveau-là qu'on rejoint la question qui était la mienne, et c'est peut-être en cela qu'il est intéressant, beaucoup plus que sur le plan, sur le plan purement catéchétique, c'est son rôle politique au XXe siècle. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, vous le savez, il y a le courant de l'église confessante qui se crée, et en particulier en 1934 et sont rédigées les fameuses thèses de Barmen qui ont pour objectif de s'opposer théologiquement à la domination d'Hitler sur le plan ecclésial mais aussi sur le plan politique. Et ces thèses réaffirment en particulier une chose, c'est la souveraineté absolue du Christ contre tout autre forme de domination, et en particulier contre, bien évidemment, la domination d'Hitler. Et on sait maintenant que dans ce travail qui anime les théologiens qui sont réunis autour de Karl Barth, le catéchisme de Heidelberg joue un rôle central. Et en particulier, cette fameuse première question dont la réponse est « j'appartiens à Jésus-Christ ». Et Karl Barth le dira, il dira « cette appartenance à Jésus-Christ, qui est à la fois existentielle, mais aussi intellectuelle et politique, nous impose de résister au régime totalitaire ». Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous reprenez un peu toutes les confessions de foi protestantes du XXe siècle qui sont réalisées dans des contextes totalitaires, que ce soit la confession de foi des églises de Cuba, la confession de foi des églises d'Afrique du Sud, mais des dissidentes, pas ceux qui sont du côté de l'apartheid, toutes réaffirment à la fois cette appartenance à Jésus-Christ comme le thème central qui impose une résistance, et toutes font aussi référence directement au catéchisme de Heidelberg comme étant un des textes qui les inspire. Et j'aimerais terminer en mentionnant un cas que j'ai au fond découvert, et qui est un cas français qui va dans le même sens, c'est celui de Jean Cadier. Jean Cadier était professeur de théologie dogmatique à la faculté de théologie de Montpellier, à partir de la fin des années 30 et jusque dans les années 70. Et Jean Cadier, il est très connu parce que dès les années 40, il est entré en résistance. D'abord, il a caché des résistants chez lui, puis ensuite il a été dénoncé, puis il a fini par prendre le maquis et devenir aumônier des maquisards. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en 1942, au plein cœur de cette tourmente qui va l'entraîner finalement à prendre le maquis, il propose une édition du catéchisme de Heidelberg. Alors quand on lit cette édition, on est purement dans la sphère théologique et historique. Il n'y a pas d'élément, disons, contextuel. Mais je me suis demandé à quel point cette lecture du catéchisme de Heidelberg l'avait influencé. Et je suis tombé dans les archives de la faculté de Montpellier sur un texte qui vaudrait peut-être la peine une fois d'être édité. C'est un texte que Cadier prononce à plusieurs reprises en Suisse et en Allemagne durant ces années-là pour, au fond, expliquer un peu quel a été son parcours. Et en particulier en Suisse, l'objectif voilé, mais on le voit grâce aux notes qu'il prend, c'est de ramener de l'argent pour la reconstruction des églises réformées de France. Et il explique ce parcours et à un moment donné, il écrit ceci. Plusieurs pensent que ceux auxquels il est arrivé d'être déporté ou d'être torturé ou de mourir étaient au fond des chrétiens qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas, ou mélangeaient étrangement la politique et la religion. Je ne chercherai pas à les justifier. Un idéal magnifique de liberté les animait, cela suffit. Je voudrais simplement feuilleter avec vous quelques pages de mon carnet de route de ces dernières années, vous dire quelques souvenirs d'un homme qui a voulu tout simplement vivre avec les hommes de son pays dans leurs diverses péripéties et apporter dans ces situations diverses la présence de celui auquel il appartient, Jésus-Christ. Et on retrouve comme ça, de manière un peu voilée, si vous voulez, en filigrane de cette conférence, cette thématique centrale du catéchisme de Heidelberg, à savoir l'appartenance à Jésus-Christ comme source de résistance à une certaine forme de totalitarisme politique.
Et je crois que ça permet de rejoindre, au fond, la question qui était la mienne au départ, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces textes. Si on regarde l'histoire de ce texte et de sa réception, on voit que, bien sûr, il a été utilisé par l'orthodoxie, il a été critiqué par les Lumières, il a été aussi lu, ça j'en ai pas parlé, par les piétistes comme une, de manière spirituelle. Il y a un des auteurs piétistes du XVIIe qui dit on pourrait le prendre comme une longue prière, ce texte. Et il a aussi été utilisé comme une source d'oppression. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que au fond, la démarche d'opposition à un pouvoir oppressif, eh bien, elle ne se fonde pas sur la simple individualité de quelqu'un qui dit « moi, je suis pas d'accord », mais il y a le besoin, au fond, de s'inscrire dans une continuité, dans une forme de tradition, si vous me permettez l'expression, qui permet, au fond, d'avoir une assise plus forte en termes de résistance. Et donc, ces théologiens, bien sûr, à mains égards, qui ont utilisé ce catéchisme, étaient en désaccord avec le fondement théologique de ce catéchisme. Barthes écrit à propos de certains passages du catéchisme, ici, c'est un accident de circulation qu'a commis l'auteur, parce qu'il a dévié de ce qui, selon lui, devrait être la théologie, disons, chrétienne, ou du moins comme il la comprend. Mais en même temps, tous ces auteurs ont réussi à s'inscrire au fond dans la dynamique de ce texte parce qu'ils y trouvaient quelque chose qui les y motivait et parce que au fond leur souci était de s'enraciner dans un terreau qui leur permettait ensuite d'entrer en rupture avec disons les choses qui leur paraissaient intolérables dans leur époque. Donc pour reprendre un petit peu l'expression qu'utilise volontiers Olivier Abel, je crois qu'il n'y a pas de rupture possible sans une alliance préalable en définitive. C'est parce qu'ils se sentent, disons, en accord avec une certaine forme de tradition, encore une fois entre guillemets, qu'ils peuvent entreprendre une démarche de rupture à la fois politique ou théologique. Mais il faut encore s'entendre sur la forme de cette tradition dont je parle. Je crois qu'il s'agit plus chez ces auteurs, au fond, d'une tradition qui renvoie à une réalité qui les dépasse et dont témoigne aussi le catéchisme de Heidelberg dans ce cas précis. Au fond, leur souci, c'est pas de préserver un contenu doctrinal dont ils estimeraient qu'il a toujours été le même et qu'il ne doit pas être, disons, critiqué, mais c'est plutôt l'idée que les auteurs du catéchisme de Heidelberg ont renvoyé à une réalité, celle de la foi, celle de l'adhésion à Jésus-Christ, qui dépasse en définitive les simples mots, les simples expressions doctrinales, mais qui peut, sur un plan existentiel, constituer un moteur, disons, d'action, y compris d'action politique. Et je crois que ça, ils l'ont pu parce que ce catéchisme était précisément un catéchisme qui avait aussi inscrit le caractère existentiel de la foi dans sa démarche avec toutes ces questions sur le mode du « en quoi cela te concerne-t-il ». Voilà donc un petit peu pour ce parcours qui a été le mien. Alors ça m'amène juste peut-être pour lancer la discussion à te poser une question. Tu as effectivement beaucoup parlé et à raison de la démarche qui est celle des réformateurs et de Luther au fond qui est de dire ben oui les gens ils sont chrétiens mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il faut au fond qu'ils structurent ce qu'est leur foi et qu'ils leur donnent un contenu. Et alors bien sûr c'est vrai, mais au vu de ce que j'ai pu découvrir avec le catéchisme de Heidelberg et aussi en particulier, alors on peut peut-être le reprendre si on a le temps, au vu de ce qu'écrit par exemple Luther, je crois qu'il y a aussi chez eux une réflexion qui tourne autour de la façon dont on peut s'approprier ce contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la volonté de dire ben, « vous ne savez pas ce que c'est que le contenu de la foi chrétienne, vous ne savez pas ce que c'est que le Notre Père, on va vous l'apprendre », mais il y a aussi toute une démarche, en tout cas dans le catéchisme de Heidelberg et chez Luther, peut-être moins chez Calvin, le souci de dire au fond, enfin d'amener le catéchumène à une croyance qui n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais qui est aussi un acte existentiel. Je prends juste 2 minutes pour parler, par exemple, de Luther, dans le grand catéchisme, qui est, au fond, vous savez que Luther a écrit un petit et un grand catéchisme. Le petit catéchisme, c'est le manuel pour les catéchumènes. Le grand catéchisme, il est justement destiné aux pères de famille, pour leur dire, voilà ce que tu dois apprendre à tes enfants ou aux maîtres d'école, voilà ce que tu leur dois leur apprendre. Mais il y a aussi toute une réflexion sur, voilà comment
tu dois leur apprendre. C'est-à-dire, voilà ce à quoi ils doivent en arriver sur le plan existentiel. Et par exemple, quand il enseigne les 10 commandements et qu'il part du premier, hein, « Tu n'auras d'autre Dieu que moi », Luther se pose la question avec le père de famille, qu'est-ce que c'est que d'avoir un Dieu ? Il faut que le catéchumène comprenne ce que c'est qu'avoir un Dieu. Et il lui dit, montre-lui au catéchumène ce que c'est que d'avoir confiance en quelque chose. Est-ce qu'il a confiance en son argent, par exemple, à ce qu'il a dans sa bourse ? Eh bien, ça, c'est faire confiance à quelque chose. Donc ça, lorsque tu fais confiance à ton argent, eh bien, c'est comme si ton argent devenait Dieu. C'est aussi ce que nous avons tous fait, dit-il, lorsque nous étions sous la tyrannie papale, lorsque nous allions à la messe et que nous effectuions des gestes sans le croire, sans savoir ce que ça impliquait derrière, pardon. Au fond, on faisait plus confiance aux gestes et aux prêtres que véritablement à Dieu lui-même. Et au fond, Luther esquisse dans ses premières pages, bon, je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez long, une espèce de démarche plus, qui se situe plus sur le plan de la pédagogie de la foi, au sens, encore une fois, d'une appropriation existentielle, que véritablement du contenu. Au fond, ce qu'il veut montrer, c'est comment on peut essayer d'éveiller la foi chez le catéchumène. Alors ma question, c'était, est-ce qu'en définitive, on constate aussi ce type de réflexion, j'imagine que oui, au sein, disons, de la tradition catholique à partir du 16e et du 17e. Oui, merci. C'est vraiment très important cet aspect-là, parce que effectivement, c'est très fort dans le catéchisme de Luther. Hein, c'est une interpellation du catéchisé ou du catéchumène. Hein, et donc, on voit bien que pour Luther, il y a une nature existentielle de la foi. Hein, ça, c'est très clair. Mais on retrouve des choses très proches pour Charles Borromée et dans le catéchisme du Concile de Trente. Alors, pour Charles Borromée, début du catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme, la foi plutôt, c'est à la fois reconnaître la vérité de la révélation, hein, mais c'est en même temps la démarche de faire confiance en Jésus-Christ. Donc on retrouve ces deux aspects-là. Mais une chose, et même qui va plus loin dans l'introduction que fait Charles Borromée du catéchisme du Concile de Trente, c'est qu'il dit, mais le pasteur, avec le catéchisme, il est là pour susciter le désir de Jésus-Christ. Susciter le désir. Donc voilà, c'est pas seulement comprendre dans un sens intellectuel, et en fait, je pense que Charles Borromée et Luther sont très proches là-dessus. Hein. C'est-à-dire que pour eux, l'intellectus fidei, c'est pas une théorie. Hein. C'est comprendre de l'intérieur. Et on pourrait dire, un théologien catholique contemporain du XXe siècle avait repris la formule, quand il dit intelligence de la foi, c'est à la fois intelligence de la foi et par la foi. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit chez ces auteurs-là. Et c'est d'autant plus, moi, pour les historiens catholiques, c'est intéressant de remarquer ça, parce que ça va tellement être occulté dans les siècles postérieurs, hein, que après, on va avoir des définitions de la foi. La foi, c'est reconnaître ce qui est vrai et qu'enseigne le magistère. Donc c'est vraiment la foi va devenir un objet formel et que l'on tient pour vrai parce que le magistère nous demande de le croire. Alors que c'est pas du tout ça dans le texte du Concile de Trente. Et donc là, il y a un durcissement. On voit deux traditions chez les catholiques. Hein. Encore le catéchisme de Bossuet, 17e siècle, est un très beau catéchisme. Hein. On voit, il commence par la question « Es-tu chrétien ?»« Oui, je le suis par la grâce de Dieu. » Et il y a tout un texte sur la relation. Et il y a des accents qui sont proches du catéchisme d'Heidelberg, hein, de la relation du croyant à Jésus-Christ. Hein. Alors que les catéchismes qui vont suivre vont commencer par la question « C'est quoi le catéchisme ?» Le catéchisme, c'est un texte qu'il faut apprendre. Et pourquoi il faut apprendre le catéchisme? Parce que l'Église nous demande de l'apprendre, etc. Quoi. Donc on voit progressivement
une intellectualisation du propos. Et par exemple, les catéchismes officiels français de 1937 et 1947, par exemple celui de 1947, le catéchisme national, il y a 91 questions qui commencent par « qu'est-ce que ?», y compris Dieu, l'Esprit Saint et compagnie. Hein. Donc vraiment, la foi est un objet qu'on regarde, dont le contenu est parfaitement abstrait. Et donc ça, c'est vraiment le tournant très clair. C'est, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les catéchismes de la Restauration. C'est vraiment pour lutter contre les accusations des philosophes, des Kant et compagnie, et de Diderot et des philosophes des Lumières, qui disent que la religion, c'est pas crédible et c'est pas rationnel, donc on fait des catéchismes hyper rationnels. Donc des textes d'apologétique, de défense de la foi, hein, de défense de la crédibilité de la foi. Et du coup, là, l'aspect existentiel des catéchismes disparaît complètement au XIXe siècle. Et même après, ça va être un soupçon. Pour ceux qui vont réintroduire de ça au XXe siècle, il va y avoir un soupçon de subjectivisme adressé à ceux qui veulent remettre la place du sujet dans la catéchèse. Oui, je crois que ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on a un peu l'impression dans les deux traditions catéchétiques qu'on a un moment qui est celui de la réforme où l'aspect existentiel, est tout aussi important en définitive que le contenu et qu'au fond, très vite, ça a tendance à se scléroser plutôt sur le contenu de la foi. Et c'est vrai que dans la tradition réformée, moi, je crois que le premier qui commence à aller dans ce sens, c'est Calvin. Parce que son catéchisme, déjà dans sa forme, ce qui est intéressant, c'est qu'il change la structure luthérienne. Hein. La structure luthérienne, c'est la loi et la foi. Et Calvin, il remet la foi au début et il prend la loi. Alors on a beaucoup dit que c'était parce qu'il voulait souligner l'importance de la sanctification comme étant une conséquence de la foi. Mais ce qui, je crois, joue aussi là-dedans, c'est que quand Luther propose de commencer par la loi et ensuite de parler de la foi, l'idée, c'est vraiment aussi de mettre le catéchumène dans une dynamique, c'est-à-dire de lui dire, bah, tu vois, devant la loi, tu ne peux rien. Donc tu peux rien faire par toi-même, tu n'arrives pas à la accomplir et tu as besoin que quelqu'un vienne à ton aide. Et c'est pour ça qu'on parle ensuite de la foi, parce que c'est au fond une réponse à un questionnement existentiel qui est suscité dans la première partie. Alors que chez Calvin, le fait de commencer par la foi, c'est au fond une réalité qui est donnée et qu'il s'agit d'expliciter. Et ce qui est très frappant, ce qui moi m'a beaucoup frappé en comparant les deux catéchismes, c'est à quel point déjà le langage scolastique est présent chez Calvin. Quand il s'agit de la Trinité, chez Luther, on en parle, voilà, mais enfin ça fait partie des choses à apprendre, mais c'est pas un sujet important. Tandis que chez Calvin, il y a plusieurs questions où il revient en disant, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par essence? Comment est-ce qu'il faut comprendre la primauté du Père? Enfin, il y a déjà un souci doctrinal qui se manifeste là, parce qu'il est dans un contexte de lutte contre Michel Servet, hein, je veux dire, il faut le dire, et donc du coup il en rajoute une couche, et j'ai un peu l'impression que c'est quand même si la dimension confiance existentielle est présente, du moins sur le plan théorique, que c'est Calvin qui va être à l'origine de ces catéchismes véritablement doctrinaux, comme on en aura au XVIIe siècle à profusion. Mais je sais pas, on va peut-être essayer de prendre un peu de temps s'il y a des questions de la part de la salle. Disons, ce sont des concepts qu'il faudrait au fond plaquer sous forme un peu d'anachronisme sur une réalité qui est celle du XVIe siècle. Donc aussi bien le rationalisme français, c'est le XVIIe, et le romantisme allemand. Alors est-ce qu'il y a derrière ça un esprit national? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Moi, je crois surtout que c'est au fond deux personnes qui ont un contexte historique et une démarche théologique qui fondamentalement n'est pas la même sur la question du catéchisme. Hein, je veux pas dire sur d'autres domaines, mais je crois que vraiment Luther, sa préoccupation, c'est qu'il visite les paroisses de Saxe et qu'il se rend compte que les gens non seulement ne savent pas ce que ça veut dire quand ils récitent le Notre Père, mais que même ils y croient pas, ou ils savent pas ce que y croire
implique. Et au fond, ce qu'il veut, lui, c'est susciter cette foi et lui donner du contenu. Tandis que Calvin, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui arrive dans une église, on ne le dit pas assez, mais qui est celle de Genève, où au fond, on est déjà passé à la réforme. Et lorsqu'il écrit son catéchisme, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est passé à la réforme. Donc au fond, ce qu'il faut, et en plus de ça, c'est un théologien, un réformateur de ce qu'on appelle la seconde génération. Donc ce qu'il faut, c'est consolider le mouvement. Et c'est le consolider aussi sur le plan doctrinal. Et c'est ça, je crois, qui fait que son catéchisme est au final assez différent de celui de Luther. Mais après, bien sûr, il y a aussi des aspects personnels. C'est vrai qu'on dit toujours Calvin est un juriste, et probablement que ça joue aussi dans sa manière de rédiger son texte, encore que je n'ai pas l'impression que ce soit fondamental. Mais je crois que le fait qu'ils soient confrontés l'un et l'autre à des contextes assez différents, somme toute, fait qu'ils élaborent des catéchismes eux aussi assez différents, avec des conséquences, disons, existentielles ou théologiques assez nuancées. Et c'est ça qui fait pour moi l'intérêt du catéchisme de Heidelberg, c'est qu'au fond, avec ce souci œcuménique dont je parlais, intra-protestant, il y a les deux tendances qui se rassemblent. C'est-à-dire que c'est un texte qui est théologiquement très charpenté, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un des éléments aussi intéressants, mais en même temps qui conserve cette préoccupation existentielle. Ah, moi, je ne suis pas théologien pratique, je me tourne. Non, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, la question est vaste. La question est vaste. La question qui est posée dans les églises catholiques, mais je crois, par des échanges avec mon collègue Jérôme Cotin de Strasbourg, qui est en charge de la chaire de catéchétique à Strasbourg, que les églises luthériennes et réformées, maintenant, qui sont unies, ont les soucis semblables, c'est la question de l'initiation. Le catéchisme au XVIe siècle a été pensé dans une société chrétienne, avec, pour des personnes qui avaient une expérience de la foi. Même s'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, même si, au fond d'eux-mêmes, ils n'en voyaient pas forcément les conséquences, hein, mais le christianisme structurait l'ensemble de la société, structurait le temps, l'espace, la politique, le social. Hein. Donc, même si on était rebelle au curé du coin ou au pasteur, de toute façon, on baignait dedans. Hein. Donc, donc le présupposé de l'invention du catéchisme, c'est une société chrétienne. Hein, avec tous les défauts, toutes les qualités que ça peut avoir, mais un contexte où on a une idée de ce que c'est que prier, aller à une célébration. Donc, le défi des églises de vieilles traditions comme les nôtres, hein, catholiques et réformées, c'est d'initier à la foi dans un contexte où, comme dirait Daniel Hervieux-Léger, le christianisme est exculturé. Donc où il n'y a plus les présupposés de la vie de foi. Dans les familles, bon, il y a encore des familles chrétiennes ou repris, etc. Mais aujourd'hui, en France, il y a plus, dans l'Église catholique, il y a plus de 50 000 enfants qui ne sont pas baptisés, qui sont dans les groupes de cathé. Vous voyez ? Donc, c'est un phénomène important. Moi, j'ai eu des groupes de cathé une année, un groupe de cathé d'enfants de 6e. Un enfant qui est venu dans le groupe de cathé, qui est venu par les copains, il dit « Viens voir, il y a de la lumière, c'est chaud, etc. » Bon, il n'était jamais rentré de sa vie dans une église. Mais vous voyez, physiquement, je ne dis pas... physiquement, il n'avait jamais mis les pieds... la séance d'après, on a été à l'église du coin, puis on a fait le tour. Mais vous voyez... vous comprenez que ce n'est plus
le même contexte du défi de la catéchèse dans une culture où le christianisme ne baigne plus ces gens, ces familles, etc. Donc, ce qui fait que dans le magistère de l'Église catholique, la notion de catéchèse s'est élargie pour se référer au modèle de l'initiation chrétienne. Ça, c'est le grand tournant qu'a opéré le Concile Vatican II, hein, donc 62-65, dans l'Église catholique, où au début, il y avait les questions du catéchisme, savoir est-ce qu'il faut écrire un catéchisme, puis après, on a abandonné cette question-là. Et dans les derniers textes du Concile, on dit, on demande aux évêques, mais il faut restaurer le catéchuménat des adultes. Et progressivement, on est venu à dire que le modèle qui permet de renouveler la catéchèse, c'est celle de l'initiation chrétienne des adultes. Comment les adultes deviennent chrétiens ? Par tout un cheminement qui fait qu'ils sont initiés dans la vie chrétienne, au sacrement, à la lecture de la Bible, et que progressivement, ils peuvent aller jusqu'au baptême. Et donc c'est ce chemin d'initiation qui devient un modèle pour l'ensemble de la catéchèse. C'est-à-dire que il y a une sorte de renouvellement complet des modèles. C'est-à-dire autant dans la période moderne, le catéchisme s'adressait pour les 8-12 ans. Et puis éventuellement, quand on s'était dit, peut-être que pour les enfants plus grands, on va essayer de faire quelque chose. Mais le modèle de référence, c'était les 8-12 ans. Et aujourd'hui, on est en train de basculer devant un système ou un modèle où on se dit, mais la référence, c'est comment on devient adulte, comment on devient chrétien quand on est adulte. Et à partir de là, faut penser le renouvellement de la catéchèse pour tout le monde. Parce qu'il y a plus de, il n'y a pas le présupposé de la vie de foi comme l'expérimentait Luther et le Concile de Trente. Alors, il y avait une autre fonction d'ailleurs des catéchismes pour Luther et le Concile de Trente, c'est que ça permettait de choisir. Il y a ceux qui allaient au pape et ceux qui allaient à Luther. Et donc, le catéchisme, il servait à ça aussi. Permettre de... En ça aussi, c'était très moderne. C'est-à-dire que, c'est pas le programme politique, mais enfin, si je vais du côté de la réforme, du côté de Luther, je sais que, ça, il y a un programme d'action, en quelque sorte, qui me guide. Oui, monsieur, vous voulez. Là, vous avez évoqué le contexte sociologique et le contexte social et historique. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut poser par rapport à la catéchèse, c'est d'abord le problème même de la sociologie de la croyance. Est-ce que le contexte culturel permet encore de porter un certain nombre de croyances que véhicule le christianisme ? Je pense qu'il faut aussi interroger cette dimension des représentations et des croyances pour voir qu'est-ce qui est encore disponible dans le système culturel qu'on peut transmettre, à mon avis, la difficulté porte aussi sur le croyable disponible dans le contexte culturel et le contenu de la foi. Alors, c'est une question intéressante parce que ça, c'est des choses qui sont en profonde mutation. Dans les années 60, il y a un renouvellement des modèles catéchétiques qui se sont énormément basés à partir de, notamment de théologies protestantes, comme celle de Paul Tillich, à partir de théologies de la corrélation. Et donc, on a beaucoup interrogé le croyable disponible dans la société, en se disant, les modèles catéchétiques sont des modèles qui vont recueillir l'expérience croyante qui est encore diffuse dans la société, parce que le christianisme a imprégné toute notre société, et on va passer de cette expérience et on va la formaliser dans le langage de l'évangile et de la foi. Le constat qui est en train de se faire depuis quelques années, c'est que ce croyable disponible, il devient complètement évanescent. Et donc quand les sociologues nous disent que le christianisme est exculturé en France, on commence à en toucher réellement du doigt
l'aspect concret dans les groupes de catéchèse des enfants et des adolescents. Ou quand un évêque français dit les Français ont perdu la grammaire élémentaire de la foi. Hein? C'est-à-dire que, voilà, il y a une sorte de consensus qui pouvait y avoir sur certaines valeurs chrétiennes, même sans avoir un discours explicitement chrétien, qui était sans doute présent encore dans les années 60, qui se remarquait par un certain humanisme. Et aujourd'hui, ces présupposés-là ne sont même plus là. Et donc, il y a un défi qui est de trouver dans l'Évangile les ressources pour dire à nos contemporains, mais comment on peut devenir pleinement homme et pleinement femme aujourd'hui à partir de l'Évangile. Et donc là je pense que là, il y a un croyable disponible qui s'effrite tellement que du coup, ça recentre, bon, dans le monde catholique, c'est très clair, un recentre sur le cœur de la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ, le mystère de la mort et de la résurrection. C'est, voilà, finalement, c'est là, à partir de ce cœur-là, qu'il y a une possibilité de dire oui, on peut devenir pleinement homme et pleinement femme à l'aide de cet évangile-là. Mais vous voyez, là il y a un changement même culturel en 40 ans qui est assez impressionnant. Hein? Et pour en avoir discuté avec Jérôme Cotin, je crois que j'ai l'impression qu'on vit des choses un peu semblables dans les communautés réformées ou luthériennes en France, quoi, ou évangéliques. Voilà, l'heure de la fin approche. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question ? Colomb, qu'est-ce qu'il proposait justement ? Alors, Joseph Colomb, en 2 minutes. Hein. Joseph Colomb, lui, il connaissait Luther, évidemment. Il a bien compris que les modèles des catéchismes, hein, reposaient sur ce diagnostic que les gens étaient déjà chrétiens. Hein. Et lui, le constat qu'il fait au milieu du XXe siècle, 1945, quoi, il dit... aujourd'hui, le catéchuménat social en France a disparu. Alors, l'expression catéchuménat social, c'est lui qui l'a inventé, mais qui est très éclairante. Il dit, avant, il y avait un catéchuménat personnel pour devenir chrétien. Et puis, quand la société est devenue chrétienne, au Moyen-Âge, etc., il y a un catéchuménat social du fait d'une appartenance à une société qui faisait qu'on était chrétien par appartenance, quoi. Mais il dit, ça, c'était les bases du catéchisme, mais ça s'effrite complètement. Donc, on ne peut plus faire le caté comme avant, quoi. C'est plus possible. Donc, il faut changer profondément les modèles. Alors, lui, il commençait à voir justement que les modèles d'initiation chez les pères de l'Église étaient intéressants à réinterroger pour les adapter dans la période contemporaine. Mais du coup, ça remettait en cause la prééminence du catéchisme et du texte du catéchisme, qui, pour le magistère, notamment de Saint-Office, c'était le tout de la catéchèse. C'était le but de la catéchèse, c'est de faire apprendre le texte du catéchisme. Et donc, comme il remettait en cause ça, selon Rome, le Saint-Office, il remettait en cause la doctrine catholique. Parce que le catéchisme représentait le condensé de cette doctrine. Donc voilà, il touchait un intouchable, quoi. Bon, il est arrivé un peu tôt, parce qu'après il y a le Conseil de Vatican II qui a un peu changé tout ça, mais voilà. Lui, il a payé les pots cassés. Voilà. Voilà, merci beaucoup Joël pour cette participation à cette soirée. Merci de votre attention. Et donc, je vous donne rendez-vous... Le 10 mars. Voilà, le 10 mars. Merci. Ah ben, oui, c'est bien, il fait le travail à ma place. C'est parfait. Le 10 mars. Ah ben oui, bien sûr. Le 10 mars 2014 pour une soirée avec Franck Lestringant et Laurent Gagnebin autour d'André Gide hier et aujourd'hui, où chacun va nous parler de son livre sur Gide. Alors, il y en a un qui est 3 fois plus gros que l'autre, mais je crois que les deux sont tout à fait intéressants. Donc, je vous invite chaudement à participer à cette soirée qui risque d'être extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.